J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans, ce nouveau cours de Pilates. Nous sommes vendredi. Tout n'est pas permis. Mais on va démarrer dans quelques minutes, dans une minute, notre cours. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Et voilà. Vous avez prévu tapis, bouteille d'eau, à côté de vous. Voilà. Chaussettes, peut-être plus pieds nus, ça marche mieux. On glisse quand on est en chaussettes. Voilà. Je mets une petite musique smooth. Allez, une minute et on y va. Bonjour Arnaud. Toujours les fidèles au rendez-vous. Je sais pas comment on enlève les commentaires. Ça, c'est pour que je mette un commentaire, je vais pas en mettre. Bon, je sais pas comment. C'est pas grave. Bon bah allez, on y va, hein. 10h01. On est parti. Hop, allez, go. Allez, comme d'habitude, je vais enlever ça. Comme ça. Vous allez bien me voir. Ouais, parfait. Alors, j'ai rangé chez moi. Normalement, pas trop de chantier. On est parti. Hop. Allez, go. Largeur de hanche comme d'habitude. On commence toujours avec notre petit rituel. Comme ça, ceux qui prennent les cours pour la première fois, ils seront. Donc, vous mettez bien pied largeur de hanche. Et on va commencer par placer notre respiration. Placer la respiration, ça veut dire inspirer par le nez. Et expirer par la bouche et par le fond de la gorge. Et votre respiration doit se faire au niveau des côtes. Pour vérifier que vous êtes bien sur une respiration au niveau de votre cage thoracique, mettez les mains et joignez vos deux majeurs. Quand vous allez inspirer, vos majeurs vont s'écarter. Et quand vous allez expirer, vos majeurs vont juste se retoucher. Il faut que vous sentiez que ça vient vraiment au niveau de la cage thoracique. Ok. Allez, inspirez profondément. Le doigt s'écarte et expirez. Et vos majeurs se touchent. Faites ça plusieurs fois, tranquillement, à votre rythme. Voilà, il faut vraiment sentir que vos côtes, c'est l'idée d'un accordéon qui s'ouvre et qui se referme. Okay. Gardez le rythme de la respiration très profonde et amenez vos mains au niveau de votre abdomen pour voir ce qui s'y passe quand vous y expirez. Vous devez sentir qu'à l'expiration, vous engagez un petit peu plus au niveau de votre centre. Voilà, votre grand droit, votre six-pack est plutôt serré et votre transverse pareil, on engage. Okay. Faites ça aussi plusieurs fois, ressentez ce qui se passe et dans le trajet de l'air et dans l'engagement au niveau de votre centre. Ce sera hyper important au niveau de la respiration quand on est sur des postures un peu plus complexes, notamment au sol, sur du gainage, de bien avoir toute cette ceinture-là figée, votre bassin figé, pour justement éviter de bouger dans tous les sens. Okay. Pour relâcher, et désormais vous allez vous ancrer dans le sol et ressentir que vos pieds sont posés vraiment sur l'intégralité. À chaque expiration, vous sentez, c'est comme si vous étiez aspiré dans le sol. Profitez-en pour relâcher les épaules. Et mettez tout le poids sur l'avant de vos pieds, sans décoller vos talons. Okay. Serrez un peu les fessiers, commencez à engager votre sang, serrez les abdos. Donc revenez. En gros, vous êtes planté et on va d'avant en arrière. Serrez les fessiers, engagez l'avant de vos cuisses pour mettre tout le poids dans les talons sans décoller vos doigts de pied et revenez sur le centre. Mettez tout le poids sur votre jambe droite. Revenez au centre. Et mettez tout le poids sur la jambe gauche. Ok, revenez au centre. Mettez de nouveau tout le poids sur l'avant, sur vos orteils avant. Excusez-moi. Je mets le chien un petit peu plus loin parce que sinon il ronfle. Ok, et passez sur le côté droit, arrière droit, talon, côté gauche, avant gauche, les deux pieds avant, et revenez au centre. Mettez les mains au niveau des cuisses, enroulez le menton vers la poitrine et relâchez tout le haut du corps. Attrapez vos coudes. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules d'avant en arrière. Ok, posez une main sur l'autre, poussez devant, arrondissez le dos, fléchissez les genoux et partez avec les bras vers l'arrière, ouvrez la poitrine et on recommence. On pousse vers l'avant, on arrondit son dos, on fléchit les jambes, on se redresse, on ouvre les bras, on serre les omoplates, on regarde droit devant soi. Attention, on ne creuse pas le dos, ok? Encore une fois, on pousse devant, arrondissez le dos et ouvrez. Ça va nous servir à nous échauffer un peu encore une fois. Poussez devant et allez chercher derrière. Ok, restez dans cette posture-là, serrez bien les omoplates et relâchez tranquillement les bras. Envoyez les bras vers le plafond, paume de main face à face et descendez sur votre petite chaise. Allez, les genoux bien parallèles, la tête dans l'axe. Vous ne devez pas voir vos biceps, on inspire et sur l'expiration, on repousse. On va chercher vraiment la hauteur. Regardez droit devant vous, paume de main face à face. Ouvrez les bras tranquillement, allez chercher de chaque côté les murs. Relâchez doucement les bras. Envoyez les mains devant, comme si vous cherchiez à attraper l'écran, ou vous avez un petit ballon dans les mains. Descendez sur votre petite chaise et élevez les bras vers le plafond. On inspire et sur l'expiration, on repousse. On ouvre les bras. On va chercher les murs qui sont de chaque côté. Sentez le travail au niveau de l'épaule. Relâchez gentiment les bras. Envoyez les mains devant. On le fait une dernière fois. On inspire sur l'expiration, on descend. Petite chaise. Le poids bien réparti dans les pieds. Montez les bras vers le plafond. La tête dans l'axe, on inspire sur l'expiration, on repousse. On ouvre les bras. On va chercher de chaque côté. On relâche tranquillement les mains. On met les mains le long des cuisses. On enroule le menton vers la poitrine. On relâche tout le haut du corps. Vous allez un tout petit peu plus loin. Vous pouvez toucher les pieds si vous voulez. Attrapez les coudes. Relâchez bien la tête. Fléchissez les jambes. Posez les mains sur les genoux et remontez vertèbre après vertèbre. Mettez les mains au niveau de votre tête, mettez tout le poids sur votre jambe droite, levez genou gauche. Genou à hauteur de hanche, serrez bien les omoplates, regardez droit devant vous. Et tendez votre jambe gauche. Allez, serrez, vous engagez bien votre avant de cuisse. C'est pas grave si vous n'avez pas la jambe levée à 90, tant pis. Ok, ramenez votre cheville sur votre genou. Mettez les mains en prière et descendez sur votre petite chaise. On inspire et sur l'expiration on repousse, on lève les bras vers le plafond et on met son pied à l'intérieur de son genou. Donc pied gauche, intérieur, genou droit. On sent le travail au niveau de la cheville droite. Allez, cherchez bien la hauteur, serrez vos omoplates, regardez droit devant vous. Ouvrez les bras, Étendez votre jambe gauche sur le côté et basculez. Sentez toujours le travail au niveau de votre pied droit. Cherchez un alignement. On inspire sur l'expiration. On revient gentiment. On croise sa jambe gauche derrière sa jambe droite. On ramène les bras devant. On tient un petit ballon. Okay. Allez, sur l'inspiration, on inspire pardon, et sur l'expiration, on repousse. On ramène la jambe derrière. Donc je suis hop, comme ça. Et je lance les bras au-dessus de la tête. Pointez bien le pied là, ok? Et engagez l'avant de votre cuisse. Je me remets face à l'écran. Ok, posez votre pied arrière. Hop, redressez-vous. Et descendez. Allez, inspirez. Sur l'expiration, repoussez. Vous twistez votre pied gauche vers l'arrière et vous ouvrez votre poitrine sur la gauche et vous descendez sur votre cuisse droite. On inspire et sur l'expiration, votre main droite vient rejoindre votre cheville droite et vous regardez votre main gauche. Inspirez, sur l'expiration, repousse tout ça. On vient se remettre en face, on resserre les mains et on ramène le pied droit vers son pied gauche. On monte les bras vers le plafond et on pousse sur les pointes de pied. Allez chercher cette hauteur-là. Ouvrez les bras, restez sur les pointes de pied. Allez chercher de chaque côté, relâchez vos épaules, inspirez, expirez, twistez sur votre droite, gauche, 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 gauche. Gardez les hanches face à l'écran et revenez au centre. On inspire, sur l'expiration, twist sur notre gauche cette fois-ci. Droite, Guillaume, ça va être compliqué ce matin. On ouvre, on le fait encore une fois à gauche. Inspirez, expirez, revenez au centre. Et on fait à droite. Vous êtes toujours sur vos pointes de pied. Hein. Si c'est trop difficile, vous redescendez sur les talons. Évidemment. Ok, relâchez les bras, reposez les talons. Renvoyez les bras vers le plafond. Descendez de nouveau sur votre petite chaise. Ramenez les bras en H. Gardez votre tête dans l'axe. On inspire et sur l'expiration, on monte les bras au-dessus de la tête. Inspire et expire, ramène les bras. Inspirez et expirez, ramenez les bras au-dessus de la tête. Et renvoyez les bras en H. On est toujours sur la petite chaise. On travaille nos cuisses. Renvoyez les bras au-dessus de la tête. Ok, relâchez les bras, repoussez sur les jambes, enroulez vos épaules, renvoyez les bras au-dessus de la tête et repoussez sur vos pointes de pied. Évitez que vos pieds aillent vers l'extérieur, ok, vos chevilles, vous devez sentir que vous êtes vraiment posé sur tous les pieds, ok. Ok, on descend sur notre petite chaise. Et on pousse sur les jambes pour aller chercher l'équerre. Allez, serrez les omoplates et relâchez tranquillement les bras. Relâchez tout le haut du corps. Arrondissez bien votre dos. Fléchissez les jambes. Posez les mains sur les cuisses. Remontez vertèbre après vertèbre. On suit le mouvement, on remonte les bras vers le plafond. On repart sur notre petite chaise. Et on retend les jambes. Allez, on va chercher très loin les bras au-dessus de la tête. Ok. Si vous n'êtes pas à 90, c'est pas bien grave. Hein. Et relâchez les bras. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez les épaules. Ok, mettez tout le poids sur votre jambe donc gauche, levez, genou gauche, levez les bras, on inspire et sur l'expiration vous pointez votre pied gauche vers, hop là Guillaume, vers votre écran. Ok, vous inspirez, sur l'expiration on ramène la cheville vers le genou, les mains en prière et on descend. Vous aider. Allez, plus vous allez bas, plus vous allez sentir un étirement sur la fesse et plus vous allez travailler au niveau de votre cuisse évidemment. Inspirez, sur l'expiration on repousse, on va chercher très haut les mains et on ramène notre pied sur l'intérieur de notre genou gauche. On regarde droit devant soi. Cherchez très loin le regard, sentez le travail au niveau de votre cheville. Ok, ouvrez les bras et ouvrez la jambe et penchez-vous vers votre côté gauche. Du coup j'ai des vieux doutes. Cherchez l'alignement tête corps jambes. Sentez le travail toujours au niveau de votre pied gauche. Allez, on inspire, sur l'expiration, vous croisez votre jambe et vous descendez. Les bras viennent chercher l'écran. On inspire, sur l'expiration, on repousse, on tend notre jambe. Alors, je vais mettre hop de trois quarts. Notre jambe gauche, notre jambe droite, pardon, tendue vers l'arrière, bras au-dessus de la tête. Vous plantez le pied. Ok, on pose le pied derrière et on descend. Inspirez, sur l'expiration, repoussez. Twistez votre pied droit, ouvrez votre poitrine vers la droite et descendez sur votre jambe. On inspire, sur l'expiration, votre main gauche vient rejoindre votre cheville gauche et vous regardez votre main droite. Vous sentez le travail au niveau de la cuisse gauche. Inspirez, sur l'expiration, repoussez. Revenez avec bras devant. Ramenez les deux pieds parallèles. Remontez les bras. De nouveau, poussez sur les pointes de pied et ramenez les mains au niveau de vos tempes. Inspirez le nombril. Serrez les omoplates et twistez sur votre gauche. Gardez bien les hanches face à moi. On inspire, sur l'expiration, on revient au centre. Inspire, expire, tu twistes. Et on revient. Inspirez, et expirez, twistez. On revient. Encore une fois, sur votre droite. Ok. Ouvrez les bras. Allez chercher de chaque côté, reposez les talons, reposez les bras, enroulez les épaules et glissez les mains le long des cuisses, le long des tibias. Fléchissez les genoux, posez une main, deux mains, vous êtes en gainage. Je vais tourner un petit peu, je vais mettre mieux l'écran, voilà. De toute façon vous êtes en gainage. Push-up. Celles qui le souhaitent ou ceux qui le souhaitent, donc vous posez les genoux pour l'option plus facile, option plus difficile, vous orientez les coudes vers l'écran, vous inspirez sur l'expiration, Vous ramenez les coudes vers les flancs. J'inspire, j'expire et je repousse. Et je pousse sur les mains. Pour ramener les mains vers les pieds, je pose mes mains sur les genoux et je remonte vertèbre après vertèbre. Et je recommence ça 3 fois. On inspire, enroulez le menton vers la poitrine, glissez le long des cuisses, le long des tibias, fléchissez les genoux, posez une main. Demain, vous êtes en gainage. Option difficile, vous restez jambes tendues. Option facile, enfin plus facile, vous posez les genoux au sol, vous orientez vos coudes vers l'écran, vous inspirez sur l'expiration, vous ramenez les coudes vers les flancs, vous inspirez et sur l'expiration vous repoussez. Engagez bien le centre à chaque fois pour éviter de cambrer le dos, hein, ok? Ceux qui avaient les genoux au sol, vous tendez les jambes et vous marchez vers vos pieds, enfin les mains vont vers vos pieds et vous remontez vertèbre après vertèbre. Une dernière fois, envoyez le menton vers la poitrine, glissez les mains le long des cuisses, le long des tibias, fléchissez les genoux, posez une main, 2 mains. Posez les genoux au sol si vous le souhaitez, serrez bien les abdominaux, serrez un petit peu les fesses et fléchissez les coudes. On inspire, sur l'expiration on repousse, chien tête en bas. On passe par un petit chien tête en bas là. Et on ramène les mains vers nos pieds pour se dérouler, remonter vertèbre après vertèbre, enrouler les épaules. Faites un grand pas sur les côtés et vous avez pied 10h10. Okay. Mettez les paumes de main face à l'écran. Inspirez, sur l'expiration, descendez. Allez, on va retravailler au niveau cette fois-ci des adducteurs. Serrez vos omoplates. On inspire et sur l'expiration, on va mettre tout le poids sur notre... un peu plus de poids sur notre... cuisse gauche, ramenez notre main vers la cheville et ouvrir la poitrine. Okay. Et regardez notre main droite. On inspire, sur l'expiration, vous repoussez, vous ramenez les mains derrière les tempes, enfin, au niveau des tempes. Aspirez le nombril et twistez sur votre gauche. On inspire, sur l'expiration, on revient. Ouvrez les bras et pareil de l'autre côté. Sur l'expiration, on revient. On ramène les mains au niveau des oreilles. Allez, aspirez le nombril et twistez. Revenez au centre. Encore une fois de l'autre côté. Ouvrez les bras. Partez. Et mettez plus de poids sur votre jambe gauche. On inspire, sur l'expiration, on revient. On ramène les mains au niveau des oreilles. On inspire, sur l'expiration, twist. Serrez toujours les omoplates. Hein. Ouvrez les bras. Partez sur le côté droit. Revenez. Ramenez les mains au niveau des tempes. Twistez. Revenez au centre. Ouvrez les bras. Relâchez. Et repoussez sur les jambes. Resserrez. Remontez, les bras au plafond et poussez. Je suis un peu coupé là, c'est pas bien grave. Allez, on est sur les paumes des pieds. Ok, ouvrez les bras. Tranquillement. Posez les talons au sol. Je vais me mettre 2 3/4. Enroulez la menton vers la poitrine, enroulez le dos. Glissez les mains le long des cuisses, le long des tibias. Posez une main, 2 mains, de nouveau gainage. Vous allez mettre tout le poids sur votre main gauche, ouvrir la poitrine sur la droite et fléchir votre jambe gauche. Et tendre la jambe gauche. Posez la jambe gauche. Et poussez un petit peu plus sur votre main gauche, regardez votre main droite. On a tout le poids sur l'épaule là. On va travailler notre haut du corps, on inspire, sur l'expiration. Vous ramenez votre main côte à côte, vous reglissez votre pied, vous êtes de nouveau en gainage. Chien la tête en bas, en poussant bien sur les mains. Mettez votre tête au niveau de vos oreilles. Poussez sur les jambes, arrondissez le dos. Vous êtes de nouveau en gainage. Mettez de nouveau tout le poids sur votre main gauche. Décollez votre main droite. Fléchissez votre jambe gauche, tendez votre jambe droite, tendez votre jambe gauche. Pour l'instant, elle ne touche pas le sol. Ok, là, elle touche le sol. Vous poussez un petit peu plus fort sur votre bras gauche. Regardez votre main droite. Ok, on ouvre. Hop, pardon, on ferme. Excusez-moi, c'est l'inverse. On revient en gainage. Chien tête en bas. Poussez sur les pointes de pied, arrondissez votre dos. De nouveau gainage. Il va y avoir une petite pause entre les deux, ne vous inquiétez pas. Ok, posez les genoux au sol. Posez les fessiers. Et allez chercher très loin devant. Comme si on vous étirait par les bras, ok? Profitez-en pour respirer. Ou pour boire un coup, si vous avez soif. Ok, on revient. Et il y a un autre côté. Donc je me tourne, mais avant de faire l'autre côté, on va faire un petit quatre pattes pour aller chercher à relâcher un peu le haut du corps et notamment la colonne. Donc là, vous allez arrondir votre dos, rentrer le menton vers la poitrine et revenir en dos plat. Okay. J'inspire, j'expire, j'arrondis le dos, je rentre mon nombril. On relâche, on prend l'inspire et sur l'expiration, on arrondit son dos. Ok. Avancez un tout petit peu, non, n'avancez pas les mains si vous avez de la place, c'est que moi j'essaie de trouver de la place entre le canapé et l'écran pour qu'on voit. Ok, vous tendez jambe droite, jambe gauche, vous êtes en gainage. Vous mettez tout le poids sur votre main droite, vous ouvrez votre main gauche et la poitrine vers la gauche et vous fléchissez votre jambe droite. Ok, tendez votre jambe droite, pour l'instant elle ne décolle pas du sol, elle est décollée du sol, pardon. Ok, on la pose et on repousse un petit peu plus sur notre main droite pour aller chercher un peu plus haut. Ok, on referme le tout. On repose nos deux mains côte à côte, on revient en gainage, un petit chien tête en bas. Moi je fléchis les genoux parce que j'ai pas la souplesse pour... Donc c'est un faux chien tête en bas, hein. Si vous êtes, s'il y a des puristes de yoga, ils vont peut-être me détester, mais... Ok, on repousse, on enroule le dos, on vient en gainage. On met tout le poids sur notre main droite, on ouvre la poitrine sur la gauche. On fléchit notre jambe droite. Tendez votre jambe gauche, profitez-en. Ok, tendez la jambe droite. Elle n'est pas posée au sol dans un premier temps. Quand vous la posez au sol, vous en profitez pour envoyer votre bassin vers le plafond. Ok, on ferme. On repose les deux mains côte à côte. On se remet en gainage. Notre petit chien tête en bas. Repoussez, de nouveau gainage, posez les genoux, posez les fessiers sur les talons, ramenez les bras cette fois-ci le long du corps, posez votre front au sol et relâchez complètement. Ok, ramenez les bras devant, on repasse par une position de quatre pattes, avec les genoux bien au-dessous des hanches, okay. Et les poignets en dessous des épaules. Ne soyez pas trop en avant ou trop en arrière. Okay. Essayez de vous placer correctement. Je vais mettre dans le sens, comme ça j'aurai pas le canapé qui va me gêner. Ok, vous allez inspirer. Sur l'expiration, tendre votre jambe droite. Faites en sorte que vos deux hanches soient face au sol. D'accord. Étendez, bras gauche. On inspire et sur l'expiration, on ramène coude, genou. Inspire, expire et tu retends. Quand tu retends, tu gardes la posture de manière à bien sentir si tes hanches sont ouvertes ou bien si elles sont vraiment face au sol. Inspire et sur l'expiration, tu ramènes genou, coude. On inspire et sur l'expiration, vous retendez. Votre bras, il doit être tendu, hein. Ça ne doit pas être du coton. Hein. Votre jambe, l'avant de la cuisse, doit être engagé. Inspire et sur l'expiration, tu ramènes. Et on retient. Ok, posez uniquement votre main et quelques petits mouvements de votre jambe arrière, quelques petits battements pour venir travailler au niveau du grand fessier. Attention là aussi, vos hanches face au sol. Engagez l'avant de votre cuisse et posez votre pied au sol, jambe tendue. Venez poser votre coude gauche et hop, on a juste à se tourner, ouvrir la poitrine vers la droite. Montez le bras au niveau des oreilles et levez votre jambe. Donc c'est bras droit, jambe droite. Ok, on relève le bras vers le plafond. On pose sa fesse au sol, on pose le pied, on pousse, bras tendu. Inspirez et expirez, repoussez. Mettez le bras au-dessus de la tête. Alignez bras, tête, cou, tronc, jambes. Ok, on remettez le bras dans l'axe. Posez votre pied au sol. Posez votre fessier. Remettez le coude au sol. Et de nouveau repoussez. Levez votre jambe. Ramenez le bras au niveau de l'oreille. Là, on travaille petit, moyen fessier, toujours épaule. Ok, on relève le bras. On vient poser sa main à côté de l'autre. On twist. Hop. Et on est sur les genoux en gainage. Ouvrez un tout petit peu plus les genoux. Fléchissez les coudes de manière à venir vous hop, poser au sol. Est-ce qu'on me voit là? Oui, super. Hop. Ok, vous allez mettre les bras en H, comme si vous étiez en saut en parachute, et vous allez décoller votre tête, votre buste, et lever les bras. Ouvrez les bras vraiment vers l'arrière, serrez les omoplates. Et ramenez les bras en H. Serrez bien les abdos, aspirez le nombril, ancrez vos hanches dans le sol et envoyez les bras vers l'arrière. Serrez un petit peu plus au niveau des omoplates. On travaille tous les muscles qui sont le long de la colonne. Revenez en H. On inspire sur l'expiration. On envoie les bras vers l'arrière. Essayez de maintenir votre tête dans l'axe de votre colonne. Hein. Donc vous regardez vraiment le sol, vous ne regardez pas devant vous. J'essaye de vous donner des indications claires et précises, j'espère qu'elles le sont. Ok, on reviendra en H une dernière fois. On envoie vers l'arrière. Vous devez sentir le travail au niveau des épaules et au niveau de votre dos. N'oubliez pas de serrer les fessiers. Ok, reposez votre tête. Ramenez les bras à hauteur de votre poitrine. Vous ancrez bien vos genoux dans le sol. Et vous poussez sur vos mains pour faire comme une pompe large. Ok. Vous ramenez genou gauche, genou droit. Vous ramenez les deux mains côte à côte. Et vous êtes à quatre pattes. Vous allez cette fois-ci tendre bras droit et jambe gauche. Vous avez quelques temps pour vous placer. Hanche face à face. Hanche face à face. Faut me dire hein, quand j'ai des conneries. Hanche face au sol. Si vous mettez vos hanches face à face, ça va. Ok, vous inspirez sur l'expiration, ramenez genou coude. Inspirez. Expirez, tendez. Comme tout à l'heure, hein, je vous ai dit, pointez votre pied, engagez l'avant de votre cuisse gauche, inspirez et expirez, ramenez genou coude. On inspire sur l'expiration, temps. Une dernière fois, inspire et expire, genou coude. Inspirez, expirez, tendez. Posez votre main droite, mettez vos hanches face au sol et tout petit battement, histoire de travailler notre grand fessier. Ok? Toujours avec hanches face au sol, toujours les abdos et le transverse engagé, la tête dans l'axe de votre corps, ne regardez pas devant vous, sinon vous allez creuser le dos. Ok, vous relâchez, vous posez votre pied au sol, vous posez votre coude, donc votre coude droit, et vous ouvrez la poitrine vers la bouche, vous levez votre jambe gauche, vous ramenez votre bras droit au-dessus de la tête. Donc là on a un travail petit moyen fessier pour la jambe qui tient, petit moyen fessier pour la jambe du dessus, et toujours épaule. Ok, levez le bras, posez votre jambe, posez votre fesse au sol, poussez sur votre main, tendez votre bras, inspirez, expirez, repoussez. Et ramenez le bras au-dessus de la tête. Ok, on ouvre le bras, on pose le pied, on pose notre fesse au sol, on remet le coude au sol, on inspire, et sur l'expiration de nouveau je repousse. Ramenez le bras au-dessus de la tête. Ok, ouvrez le bras. Reposez. Posez votre main au sol. Vous êtes sur les genoux en gainage. Ouvrez grand les bras. On inspire. Et sur l'expiration, en inspirant le nombril, en serrant, on vient poser notre buste au sol. Et vous allez tendre vos deux bras au-dessus de la tête. Ancrez vos hanches dans le sol. Vous imaginez que vous avez mis deux vis dans le sol, ok? Et vous allez serrer les fessiers. Et sur l'expiration, décoller jambe gauche, jambe droite, pardon, bras gauche. Maintenez cette posture. Et reposez tranquillement. Inspirez, et sur l'expiration vous changez, vous serrez les fessiers, vous engagez vos abdos et vous décollez jambe gauche, bras droit. Et on relâche. On inspire, sur l'expiration vous changez. Et on relâche. Inspirez, expirez, allez chercher l'autre bras et jambe. Votre jambe qui est décollée, votre hanche n'est pas décollée, hein, et engagez l'avant de votre cuisse, serrez votre grand fessier et changez de bras et de jambe. Ok, relâchez le tout et là on va faire 10 secondes de petits battements bras et jambes. Donc on inspire et sur l'expiration petit battement bras, petit battement jambes sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, on relâche, on ramène les bras au niveau de la poitrine, prêt à faire la pompe, ancrez vos genoux dans le sol. Alors si vous voulez vous relever jambes tendues, vous ancrez vos doigts de pied dans le sol, vous inspirez, vous serrez bien fort les abdos et on repousse. Ramenez le genou droit, genou gauche et venez vous poser sur les fesses pour envoyer les jambes devant. On va finir par quelques petits abdos, comme d'habitude. Ok, pour le moment on se redresse, on cherche à travailler un petit peu de posture. Ça fait du bien là, on est toute la journée sur notre ordinateur, donc on a toujours les épaules qui ont tendance à revenir vers l'intérieur. Donc n'hésitez pas à faire des pauses quand vous télétravaillez pour vous grandir. Vous imaginez vous avez un fil qui vous tire par le sommet du crâne et vous serrez un petit peu les omoplates, vous allez chercher un peu vers l'arrière. Allez, vous ramenez les bras devant, comme si vous aviez un petit ballon. Et vous enroulez le menton vers la poitrine, vous arrondissez votre dos. Vous venez poser dos au sol, vous menez les bras vers le plafond Vous ramenez les talons vers les fesses et vous décollez vos jambes. Je vais bien me mettre. Ok. Option 1, vous gardez la tête au sol. Option 2, vous décollez tête et omoplate. Vous inspirez et sur l'expiration, vous envoyez bras au-dessus de la tête et vous tendez jambe gauche. Engagez l'avant de votre cuisse gauche, inspirez et sur l'expiration, vous ramenez le tout. Donc les bras passent devant votre visage, vers le plafond. On inspire et sur l'expiration, on change. Inspirez, expirez, revenez. N'hésitez pas à bien inspirer le nombril pour bien plaquer votre colonne au sol. On inspire sur l'expiration, on change et on revient. Inspirez et expirez. Et on revient. Inspirez, expirez, tendez les jambes. Alors si à un moment c'est trop difficile avec la tête levée ou que ça vous fait mal à la nuque, hop, vous reposez la tête, hein, bien entendu. Inspire, expire, tu tends. Quand votre jambe se tend, ça peut avoir tendance à vous cambrer le dos. Donc dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous, volontairement, vous aspirez un petit peu plus fort le nombril. Et vous revenez. Ok, ramenez les genoux vers la poitrine, vous les insérez. Quelques petits tours de gauche à droite. Et quelques petits tours de droite à gauche. Mettez les bras le long du corps, tendez votre jambe gauche, votre jambe droite et le side sort. Donc soit petit side sort, okay, soit le grand, soit le méga, avec tête et omoplate levée. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ça va, ils n'ont pas eu de problème. Ayez toujours les jambes tendues. Ayez toujours le nombril inspiré. Ok. Ok. On ramène les deux genoux vers la poitrine. On pose les talons au sol. On tend jambe droite, jambe gauche. On met bras au-dessus de la tête. Et là, on va ouvrir les mains pour venir poser les paumes de main et pousser sur les mains pour remonter vertèbre après vertèbre. Ramenez les bras devant, enroulez une dernière fois le dos, ramenez le talon vers les fesses, décollez. Et tendez, si vous voulez. Okay. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. C'est à l'intérieur, c'est japonais. Ouais, j'ai des références un peu étranges. Allez, inspirez sur l'expiration. On ramène les deux genoux. On n'a toujours pas les pieds qui se sont touchés au sol. Vous allez inspirer et sur l'expiration, roulez sur le dos, hop, et revenir sur vos ischions. Vous mettez une ou deux vertèbres en plus. On inspire sur l'expiration, on enroule. Ok, posez vos genoux, vos talons au sol. Envoyez les jambes vers l'arrière. Vous êtes à quatre pattes, crochetez vos doigts de pied dans le sol. Chien tête en bas. Et marchez vers vos pieds. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre, enroulez les épaules, croisez les mains, envoyez vers le plafond, grandissez-vous, ouvrez les bras, enroulez vos épaules, et nous en avons terminé avec notre cours d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a au moins détendu. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, passez un bon vendredi après-midi. Passez un très bon week-end. Je vous retrouve, je crois, encore la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Salut. On ne sait jamais comment finir la vidéo. Allez, tchuss.